une hypothèse. Donc on est sur la route, voilà l'autocar qui roule à droite, vitesse sur une route sinueuse aux alentours de 60 à 80 km/h, et en face de lui se trouve un camion qui est sur la partie gauche, donc vous voyez bien que la cabine était, on va le revoir à nouveau, et dont la cabine était qu'on appelle en portefeuille, c'est-à-dire d'équerre par rapport à la remorque. Ce qui laisserait supposer que ce camion vide roulait vite sur chaussée humide, a vu, a été roulé donc un peu à gauche, a donné un coup de frein, qui est la réaction normale, et le coup de frein sur un camion vide, un semi-remorque, eh bien, amène à mettre en portefeuille. Donc voilà, on revoit l'autocar qui roule à vitesse normale sur la partie droite de la chaussée, et devant lui, ça demande 2 secondes, hein, découvre un camion qui est sur la partie gauche de la chaussée, face à lui, avec la cabine en travers. Et là, le choc, évidemment, est imparable. Et ce qu'il y a dans cet accident, ce qui est terrible, c'est que c'est surtout l'incendie, le nombre très important de victimes est dû à l'incendie. La remorque étant, vous voyez, intacte, c'est le tracteur qui est perpendiculaire à la chaussée, qui a été heurté sur son flanc gauche, là où se trouve le réservoir de carburant, le réservoir hydraulique pour les grues qui servent à débarder le bois, et également les batteries. Et généralement, dans ce type d'accident, malheureusement, c'est ce que m'a précisé Jean-Jacques Julien de Dépanne 2000, eh bien, il y a un court-circuit qui se produit au niveau des batteries qui sont écrasées, et comme le réservoir éclate sous l'impact, il y a un brouillard de gasoil qui se forme et qui immédiatement s'enflamme et s'est propagé sur l'autoroute.